Il est 22h22 minutes à Yaoundé. Bonsoir et bonjour à toutes et à tous. Ça dépendra de quel moment vous aurez cette vidéo. Juste pour vous dire qu'il y a eu... J'espère que c'est une blague. Il y a eu une blague dans les réseaux sociaux disant que j'étais positif au coronavirus. À travers la conférence du ministre de la Santé publique, je voudrais, chers sœurs et frères, vous rassurer que je suis confiné chez moi à la maison, comme tout le monde. Je voudrais en même temps profiter de cette vidéo pour vous demander de prendre cette pandémie, ce virus, très au sérieux. Essayez, je dis bien, essayez de respecter les consignes du gouvernement. Respectez les consignes, les appels de l'OMS. Et je vous demanderai de faire les gestes, comme ça se passe depuis un moment dans la télévision, comment laver les mains, comment saluer, ne pas être en groupe plus de 50, ne pas embrasser des filles de dehors et autres, d'être vraiment très attentif, très sérieux à cette pandémie. Je voudrais aussi adresser toutes mes condoléances vraiment à tous mes grands frères qui sont décédés de cette pandémie. Et je dirais mon grand frère Manu Dibango, avec qui j'avais de très profondes relations. Un de mes amis, vraiment d'enfance, M. Moukouri, le président Diouf. Quand je dis le président Diouf, c'est le président de l'Olympique de Marseille, qui nous étions très amis. Et à tous les autres que je ne citerai pas ici, vraiment toutes mes condoléances. Cela dit tout simplement que il faut considérer ce virus. Il faut le prendre au sérieux et respecter les consignes des gouvernements. Les gouvernements sont en train de se battre pour justement trouver un remède ou un vaccin plus tard pour soigner tout le monde. Donc, restez confinés chez vous, à la maison. Ne sortez qu'en cas vraiment d'urgence, soit pour aller à un hôpital ou à une pharmacie, peut-être pour aller acheter du pain, de la nourriture pour la maison. Donc je vous rassure encore que je suis chez moi confiné à la maison comme tout le monde. Je suis avec toute ma famille et j'ai tenu à vous faire cette vidéo parce que cette blague de premier avril, de poisson avril, n'est pas bienvenue. On ne blague pas avec ce genre de situation. Donc, ceux qui l'ont fait, j'espère qu'ils s'excuseront et qu'ils demanderont pardon parce que c'est très très grave. Déjà, moi, je les pardonne déjà parce que peut-être qu'ils l'ont fait pour blaguer, pour baiser les gens, mais c'est pas bon parce que d'autres personnes malades qui sont cardiaques pouvaient avoir une crise cardiaque là et mourir. Donc, je voulais rassurer toute ma famille, tous mes amis de partout que je suis à la maison. Je suis positif de rien du tout.
Et je souhaite que le Seigneur continue à me garder et m'accompagner dans tout ce que j'ai fait pour mon pays et peut-être même aussi pour le monde entier. Voilà. Ceux qui auront besoin d'avoir de mes nouvelles, qui voudront avoir une confirmation, peuvent m'appeler sur mon téléphone. Je les répondrai demain, si Dieu le veut. Merci et bonne soirée à tout le monde. Merci.